J'espère que Daniela ne va pas tarder à se connecter. Sandra, mais qu'est-ce que tu fais là? Écoute, Santiago... Ne me dis pas! Écoute, ce n'est pas ce que tu crois. En vérité, je suis désespérée. J'ai pas mal de problèmes. Et je ne savais pas du tout où aller. Calme-toi, calme-toi. Et puis là, j'ai froid. Je peux rester? Oui, oui, fais comme chez toi. Merci. Daniela est sur le point de se connecter et Sandra est ici. Alors, explique-moi ce qui se passe, Sandra. Voilà. Ma mère ne sait même pas que je suis ici. Et mes parents? Tu es sûre que ce n'est pas eux qui t'envoient? Non. D'ailleurs, j'ai même dû demander de l'argent à une amie pour les billets d'avion. Si tu ne me crois pas, appelle-la. Et tes parents ne savent pas non plus que je suis là. Tu ne peux pas rester avec moi. Va te changer et je t'amène à un hôtel. Je le paye. J'ai tellement froid. Et je meurs littéralement de faim. Je ne peux pas rester un peu ici. C'est d'accord. J'étais sur le point de me faire un café. T'en veux un? Oui, avec du lait allégé. Écoute, Selma, tu sais, le père Vincent est un excellent prêtre. Il y a sûrement une erreur dans tout ça. Non, il n'y a pas d'erreur. Je l'ai vu à l'extérieur du cabaret, accompagné d'une stripteaseuse aux mœurs légères qui s'appelle Yamina. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas à une heure si tardive? Je venais de réciter un chapelet chez une tante. Écoute, tout ceci me paraîtrait très étrange. Et tu sais comment on trafique des photos pour faire apparaître des choses qui ne sont pas. Écoutez, je vous le jure, je suis une bonne catholique et je ne jure pas en vain parce que c'est un péché mortel, mon père. Je te promets, Selma, que je vais enquêter à fond sur cette affaire. Mon Dieu, regardez-moi ce scandale que ces gens ont fait éclater. Je suis atterrée à l'idée de me dire que c'est dans un quartier comme ça que vit cette saleté de Daniela. Quelle horreur! Non, si ça se trouve, elle habite dans le même quartier que ce pauvre type. Oh, et dire que Santiago traînait dans ces zones-là, imaginez-vous un peu comme c'est embarrassant. Anthony, laisse-moi le regarder, s'il te plaît. Oui, papa, regarde un peu ce qui s'est passé. Vas-y, fais voir. Regardez-moi où nous en sommes arrivés. Un prêtre ivre mort avec une prostituée. Incroyable. Il y a un problème? Non. Non, maman. Je suis choqué par l'absence de morale qui domine de nos jours, je te jure. Je peux le voir? Oui, bien sûr, ma chérie. Tiens. Ah, mais attends, cette femme. Fais voir. Ben vas-y, fais comme chez toi, Tony. Tu sais... L'important, c'est que Santiago est très loin de tout ce remue-ménage. Ah oui. Chaque jour qui passe... va l'éloigner un peu plus de... Comment déjà? Cette truie. Cette truie sur patch, t'as déjà dit. Oui, c'est ça. Elle va enfin lui sortir de la tête. Je te jure, quelle honte quand même en arriver là. Bah dis-moi, frangin, pourquoi est-ce que t'es vénère comme ça? C'est le fait de les regarder qui te met dans un état pareil ou quoi? Ce sont les types qui ont essayé de m'assassiner. Ce sont des hommes morts. Non,
mon pote. Moi, je ne chercherai pas de noises parce que ça se voit qu'ils sont dangereux. C'est ma bataille à moi, Louis. Pas la tienne. Hein? Tu sais quoi? Tu ferais mieux de pas t'embarquer là-dedans, Diego. Laisse tomber, ça passera. Jamais je n'oublierai tout ça. C'est bien compris? D'accord, après tout, c'est ton problème. Maintenant, j'ai besoin que tu me rendes un service. Non, pourquoi je rentrerai dans tes problèmes? Si tu m'aides avec ça, Louis, moi je t'aide pour ta fugue. D'accord. Achetez votre journal, lisez les dernières nouvelles. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Dites-moi, il manque une section complète dans ce journal. Pourquoi donc? C'est sorti comme ça. On vient de la prendre tout à l'heure. Quoi? Dis-moi, la gamine, il manque une partie entière de ton journal. Alors t'es gentil et tu me rends mon argent, s'il te plaît. Bon, arrêtez de pigner comme ça. Les voilà, vos sections de malheur. Mais si vous dites un mot sur la photo de la première page, vous aurez affaire à moi, hein? Allez, dégagez! Qu'est-ce que tu me veux, hein? Allez! Quoi de neuf, Paulina? Tu vas bien? Comment ça va? Pas mal, et toi? Pas mal. Daniela est avec toi? Elle est partie par là. Daniela! Quoi? Ta belle-sœur! J'arrive! Merci. J'arrive, j'arrive! Quoi de neuf? Mais si ça va plutôt comment bien. Comment ça va? Salut. Qu'est-ce que t'as... Manici, hein? Je t'amène des nouvelles de Santiago. Qui est très amoureux de toi, qui ne peut pas passer une seconde de plus sans toi, qui a besoin de te voir, et même si c'est avec l'ordi. Ah, moi c'est pareil, je n'en peux plus de pas le voir. Alors allons-y, il doit attendre que nous nous connections. Ah, mais je suis déjà connectée, mais avec le cœur. Ben dis-moi, cette histoire d'amour te rend vraiment cucu, hein? Ah, mon frère est pareil que toi, hein? Allez, allez, on y va. Ah, mais pas de panique! Ah, non, 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 je dois passer par la maison pour nourrir ma marraine, vous m'accompagnez? Oui, oui, bien sûr. Ça va pas trop loin, et ensuite on décolle. Oui, oui. Attends. Ah, mais... Tu n'imagines pas à quel point la dispute a été violente. Elle m'a dit des choses horribles. Qu'elle ne voulait plus jamais me revoir. Ta mère t'a dit tout ça? J'aurais jamais pensé ça d'elle. Moi non plus. Écoute, je ne voulais pas te le dire, mais... Ma mère est un peu dérangée. Parfois, elle dit des choses et fait... Des choses que je ne comprends pas. Je te jure que ça me peine ce que tu me dis, Sandra, mais... Je ne vois toujours pas pourquoi tu es ici. À Mexico, je suis toute seule. Tu es mon seul ami, tu es mon unique ami. Et je voudrais travailler dans ton entreprise. La mienne? S'il te plaît, je suis désespérée. Bon, je t'en supplie, ne me refuse pas ton aide. La seule chose que je veux, c'est de l'argent pour retourner en Espagne. Ah, s'il ne s'agit que d'argent, je peux t'en prêter avec plaisir. Non, 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 attends, qu'est-ce que tu vas croire? Moi, la seule chose que je veux, c'est travailler. Pour refaire ma vie en Espagne. Très loin de ma mère. Non, il va pas te mordre. Je me dépêche. Je regarde juste si Michaela a mangé et nous allons ensuite au café Alpanetta. D'accord, je t'accompagne. Oui. Viens là, toi, entre. Dépêche. Dépêche. Moi, je vous attends ici en attendant. Ah, dépêche-toi, allez, vite. Laisse-la. Non, c'est bon, je m'en charge. Le plus simple, c'est que je te prête de l'argent et que tu ailles chercher du travail en Espagne. Non, non, écoute, il faut que tu me comprennes, Santiago. Je suis à une étape de ma vie où je veux démontrer au monde que je peux faire quelque chose par moi-même, que je ne suis plus une petite fille gâtée. D'accord. Je vais en parler à Christophe, qui est mon assistant à Washington, voir s'il peut m'aider. Oh, c'est vrai? Oui. Oh, merci beaucoup. Oh, je te jure, écoute, je te promets que je ne vais pas te décevoir. Je sais que tu es un homme très prié. Je n'ai absolument rien à faire ici. Et dès que j'aurai de l'argent, je te promets que je me débrouillerai toute seule. Ok. Je vais appeler Christophe. Donne-moi une minute. Merci. Vous en pensez quoi, mon père, de Carmelo qu'on ne voit plus? Ah, que pouvait-on attendre de plus d'un lâche pareil? Ça, oui. Alors, laisse-moi.
Ça fait combien? Te donner ça? Et te donner 20 de plus pour... Quoi? Pour acheter quelque chose, Apollina. Quoi? Pour rembourser l'argent que tu m'as donné. Que tu m'as donné pour les enfants. Non, mon père, non, ça m'a fait plaisir de vous le donner, je vous jure. Ces pauvres enfants méritent une vie meilleure que celle qu'ils ont dans la rue. Je ne peux pas. S'il vous plaît, mon père, je vous en supplie, changez d'avis. Cet argent. Je l'ai fait avec tout mon cœur, mon père. S'il vous plaît, vous savez que je vous aime beaucoup. Comment je pourrais? Oui, je sais, mais je te le rends parce que tu étais gentille avec moi. Je vais accepter cet argent, je l'ai fait avec plaisir, mon père. Et puis ne me mets pas en colère, s'il te plaît, Yamina. Quand je te dis quelque chose, si Père Vincent, les accusations du journal de ce matin sont vraies. Et je vois aussi comment vous utilisez l'argent des fidèles, mon père. Pardon, pardon, votre éminence, mais vous interprétez mal la situation. Non, non. Yamina, elle est... Oui, je sais parfaitement ce que vous faites avec cette femme bonne. Quoi? Ne me dites quand même pas ce que j'interprète mal ça aussi. Ah, bon sang, c'est... Nous allons nous connecter tout de suite parce qu'à tous les coups, il nous attend. Oui, Christophe, c'est une faveur pour une amie. Elle parle parfaitement anglais. Trouve-lui un travail, je t'en serai reconnaissant. Oui. Accepté. Mon amour, tu es là? Qu'est-ce que fait la bimbo parfumée dans l'appartement de Santiago, hein? D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle fait avec mon mari? Gardien, il y a une bagarre là-bas! Il y a une bagarre là-bas! Là-bas, suivez-moi! Tais-toi! Tu vas me dire tout de suite qui t'a demandé de me tuer ou je te tue! Bonjour. Bonjour, qui est-ce? Je ne te vois pas sur l'écran. Écoute, tu es bien connecté sur la vidéo de Santiago, mais il est occupé pour l'instant. Comment ça, occupé? Passe-moi mon mari! Passe-le-moi, ne m'ignore pas comme ça. Où est passé Santiago, hein? Où ça? Où il est? Bonjour. Bonjour, je ne sais pas qui tu es. Connecte ta caméra, s'il te plaît. En attendant, laisse-moi te dire. Je suis heureuse parce que Santiago m'a invité à rester ici dans son appartement. À Washington, je te jure, c'est vraiment trop cool. Qu'est-ce qu'elle fait là, hein? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'appart de Santiago? Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je te parle, alors fais pas l'idiote. Je peux savoir où est Santiago? Tu lui as fait quoi? Dis-moi, hein? Sandra? Sandra, tu me vois? C'est moi, Karina. Tu me vois sur ton écran, Sandra? Ah, Carrie! Je savais que c'était quelqu'un de la famille. Je vais te raconter un secret avant que Santiago n'arrive. Je crois que ton frère et moi, nous allons concrétiser. Il m'a invité à venir à Washington et rester dans son appartement. Il est tout simplement adorable avec moi. Attends... Je mérite des félicitations, pas vrai? Ah, où elle va me le payer? Santiago a une femme dans sa vie, c'est moi! C'est moi, c'est moi! Hein? Tu crois que je vais avaler? Qu'il t'a invité? Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt toi qui t'as imposé chez lui, hein? Oh, oh, pardon. Je vais devoir couper. Santiago m'a invité à dîner. Au revoir, salut bien toute la famille. Non, non, non! Alors cette fois, elle a dépassé les bornes, mais je vais rejoindre Santiago. Mais et en façon... Je vais mettre une de ces raclées à l'autre bimbo botoxé. T'es toujours là, hein? T'es toujours là, la poupée gonflable? Daniela, calme-toi, calme-toi. Moi non plus, je sais pas ce que Sandra fait dans l'appartement de Santiago, mais je suis sûre qu'il y a une explication. Et je ne sais pas pourquoi elle a coupé non plus. Allez, connecte-toi. Je veux voir si Santiago et cette demi-morue sont en train de se moquer de moi ou pas. Que ce soit bien clair, Sandra, nous ne ferons rien ensemble à Washington. Chacun vivra de son côté. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. Parce que je te connais bien. Et je sais que tu as dit à tout le monde que nous étions ici ensemble. Qu'est-ce que tu faisais sur l'ordinateur? Mais je regardais simplement mes mails. Rien Sandra, de plus, mais j'ai fini. Je vais te le dire de la manière la plus gentille possible. Ne touche pas à mes affaires. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me traites comme ça? Je ne pensais pas que ce serait si compliqué de m'aider. Ce n'est pas ça. Ce qui se passe, c'est que j'attends une vidéoconférence très importante.
C'est donc ça. À ce propos, ton nouveau travail t'attend. Demain, tu as un entretien avec Christophe. Il te dira ce que tu auras à faire. C'est formidable, merci beaucoup. Oui, c'est un travail de quelques jours, mais ça va être suffisant pour que tu te payes ton billet pour l'Europe. Oh, quel soulagement. Merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de faire pour moi. Oh, tu es un amour. Maintenant, je vais t'appeler un taxi pour qu'il t'amène à l'hôtel. J'ai une meilleure idée. Que dirais-tu si je t'invitais à déjeuner? Je croyais que tu n'avais pas d'argent. Non, j'en ai apporté un peu. J'ai exagéré en disant que je n'en avais pas, mais je ne vais pas venir à Washington sans argent. Écoute, je peux t'inviter à manger dans un endroit sympa et... ensuite, on pourrait aller danser. Non, merci. Je t'ai dit que j'attendais une vidéoconférence importante. Excuse-moi. Ah. Où sont-ils? Ils étaient ici. Tu vas pas me dire qu'ils ont disparu, non? Non, je vous jure qu'ils se battaient tout à l'heure, je les ai vus quand je suis passé. Je déteste qu'on se moque de moi. Non, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'ils plaisantaient, vous savez, ici en prison, allez. On voit tout, non? Tu veux continuer à jouer? Non, tu veux te foutre de moi ou quoi? Non. Allez, avance. Non, allez. Ne tapez pas. Tu vas faire un petit tour au trou, tu vas voir. Non, pas ces jours au trou, officier. Non. Bon, allez, avance. Je vais aller t'enfermer. Pourquoi? Oui. Parce que tu as menti. C'est compris. J'ai avance. Menti, allez, avance, je te dis. Ta vie ne tient plus à grand-chose. Parle, salopard. Qui est-ce qui t'a engagé pour me tuer? Mais parle. Ou tu préfères plutôt emmener ton secret en enfer? Tu en dis quoi, salopard? Diego. Mais parle. Diego, mon Dieu, qu'est-ce que tu fais? Diego. Ce salopard va me dire qu'il a engagé avant que je ne le tue. Ce n'est pas intelligent de faire ça. S'il te plaît, si tu le tues, ils vont te garder plus longtemps en prison, Diego. Tu vas perdre ta chance de retrouver ta fille. Tu n'es pas un assassin. S'il te plaît, pense-y. Pauvre imbécile, tu peux faire ce que tu veux, t'es déjà mort. Non ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce que tu fais ? Rien du tout. Je crois qu'il a un peu mal à l'estomac. C'est vrai ? Madame Carmen, qu'est-ce que vous faites ici ? Ce monsieur ne se sent pas bien. Je veux l'emmener à l'infirmerie. Bon, allez-y. Merci, allons-y. Ah. Fais attention. Écoute, Annie, il faut que tu comprennes. Dans les couples, eh ben, il y a des hauts, il y a des bas. Mais bon, il faut du respect. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui envoie l'invitation pour qu'il se connecte et ça répond pas. Comment veux-tu qu'il te réponde, hein? Puisqu'à tous les coups, la morue doit lui avoir mis le grappin dessus. Attends, tant que je vois Santiago, il va m'entendre. Pourquoi lui? C'est Sandra qui est une voluse de mari. Justement pour ça. Puisque Santiago sait comment elle est, pourquoi il l'a laissée rentrer chez lui? À moins qu'il ne l'ait vraiment invitée. Mais non, certainement pas, Daniela. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas logique. Si Santiago voulait te tromper avec Sandra, tu crois qu'il m'aurait envoyé te chercher pour te connecter ou quoi? Laisse-moi la place. Qu'est-ce que je vais faire avec ma contrariété? Mais je comprends même pas le mot. Ah, laisse-moi la place. Ah, mais je rigole juste un peu, Daniela. Ah, je t'en fiche, ça, les blagues, moi. Écoute, Daniela, tous les coups, il y a une explication. Sandra ne devrait pas être à Washington, il n'y a aucune raison. Comment? Il n'a pas de raison. Elle veut le voler, le mari de Daniela, c'est tout. Elle doit y travailler bien dur. Cette vieille morue, espèce de crue, peau de peinture. Du calme. Est-ce que tu m'entends, la peau toxée, la peau toxée, tu m'entends? Mais ne frappez pas. Quoi? Vous êtes cinglé ou quoi? Écoutez, vous ne le refaites plus ou je déclenque l'appareil, hein? Oui, d'accord, c'est bon. Saleté, vache. Passez, votre excellence, s'il vous plaît. Comme vous avez pu vous en rendre compte... tout ceci n'est qu'un malentendu. Ah, une confusion dans laquelle un malotru, une personne irresponsable, a voulu tirer profit, non? Et bien sûr, les photographies ont été publiées pour me causer du tort, non? Oui, je vous crois bien volontiers, Père Vincent. Mais rappelez-vous de ce que je vous ai toujours dit. Ne faites rien de bien qui peut paraître mal. Nous autres sommes obligés de donner une image de droiture, de pureté et de vertu. Mais dites-moi une chose, qu'allez-vous dire à vos fidèles qui vont voir cette photo publiée? D'ailleurs, vous-même, un prêtre comme il faut, aux portes d'un cabaret. Parce que là-bas, il y a ce salopard. Pardon. Là-bas, il y avait l'homme à enlever Michaela. Ah, et qu'avez-vous à me dire au sujet des paris? Ah, votre éminence, excusez-moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Quel pari? Voilà. Il y a de nombreuses personnes de votre paroisse
qui m'ont dit qu'ils vous avaient vu au marché plusieurs fois en train de parier. Moi? Attendez, c'est de la pure invention. Écoutez, très cher père Vincent, vous êtes en ce moment dans l'œil du cyclone. Et ce sont des types de scandales, des scandales dont l'église se passerait bien. Non, d'accord, vous avez raison, que puis-je vous dire? Je vous promets que je vais faire extrêmement attention à tout ce que je vais entreprendre désormais. Ne vous en faites pas, j'ai déjà la solution. Ah, béni soit Dieu qui nous a encore illuminés. Quelle est la solution? À partir de maintenant, mon père, je vais vous demander de mettre de côté toutes vos affaires qui ne sont pas directement liées avec votre ministère. En attendant, je vais vous demander de trouver quelqu'un qui se chargera de gérer la cantine, celle des enfants pauvres. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous ne vous en occupez plus. Mais comment? Écoute, Anina, il faut la jouer calme. Non, le calme, c'est tout ce qu'on a. Pour se calmer et s'accepter les unes et les autres. Allez, décompresse un peu, il n'y a rien à faire. Santiago n'accepte pas nos invitations à se connecter. Ça veut dire quoi? Il nous a plantés là et il ne veut pas nous répondre? Et s'il ne veut pas nous répondre, pas de problème. Il a juste à me le dire, je vais mourir. Parce que, comme ça, en y pensant à froid, cette histoire de partir très loin à Washington ne m'a jamais vraiment plu. D'ailleurs, si ça se trouve, Otilia avait raison. Il a juste voulu se moquer de moi pour que... Eh bien, pour qu'il puisse me... Non, écoute. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que Santiago ne veut rien de Sandra. Et si elle est à Washington, ce n'est pas parce qu'il le voulait. Mais plutôt parce que derrière tout ça, il y a un plan. Paulina! Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Je comprends pas, hein. Ça me fait de la peine de le dire, mais mes parents sont derrière ça. Voilà, Santiago m'a appelé pour me demander de te retrouver parce qu'il mourait d'envie de te parler et de te voir. Il m'a même envoyé une lettre qu'il m'a demandé de te lire. Un mail, il m'a aussi demandé de t'acheter un portable parce qu'il a besoin de te parler tout le temps. Je ne comprends pas ce qui se passe, c'est vraiment bizarre. Bien sûr. Santiago m'a dit que ses parents allaient tout faire pour arriver à nous séparer. Mais c'est ce qu'elle est en train de te dire, Karina. Évidemment que oui. Et si Sandra est aux États-Unis, c'est parce que mon beau-père l'est envoyé. Parce que lui et la bimbo s'entendent très bien. Surtout quand il s'agit de me séparer de lui. Stop, Paulina! Tu me déranges, là. C'est ça, hein. Allez, maintenant, nous devons penser à ce que nous pouvons faire. Mais il n'a rien à penser. Je vais aller tout de suite chez toi, demander à tes parents d'arrêter, hein. Je vais leur faire bien comprendre que ça leur plaise ou non. Je suis la femme de leur fils. D'ailleurs, regarde. Ici, j'ai mon acte de mariage comme preuve. Dans l'autre sens. Des petits pas. Tu dois comprendre que quand la chute commence et qu'on en arrive à ce point-là, on ne peut plus arrêter jusqu'à ce qu'on touche le fond. Sans doute, mais tu m'as dit que tu étais innocent. Que tu payais pour une faute qui n'est pas la tienne. Tu m'as parlé de gens sans scrupules qui t'avaient plongé dans cet enfer. Alors, je te demande juste, est-ce que tu veux leur ressembler? C'est ce que tu veux, Diego? Merci, Carmen. Tu m'as évité de passer les 30 prochaines années de ma vie en prison. Tu sais quoi? Tu m'as surtout redonné la foi en l'être humain. Il reste encore de nos jours des personnes qui veulent faire le bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te sens mal, n'est-ce pas? Non. Juste un peu, mais c'est déjà passé. Je vais t'emmener à l'infirmerie. Et tu veux te reposer un peu. Tu veux m'écouter? Allons-y. Les petits pas. C'est une condamnation, bon sang. Une punition totalement injuste. Sans jugement, sans me donner la chance de me défendre. Père Vincent, je suis en train de vous donner l'opportunité d'éviter un énorme scandale. Qui serait la fin de votre carrière ecclésiastique? Mais mon Dieu, votre éminence. Ma carrière, c'est d'aider tous ces miséreux. Oui, j'ai consacré ma vie entière à toutes ces actions, à glorifier le Seigneur. Et alors maintenant, à cause d'un commérage, à cause d'une babiole, je dois en terminer avec tout ça? Vous êtes en train de me dire que mes décisions vont à l'encontre des préceptes de l'Église, mon père? Non. Je suis en train de vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur cette cantine. Des mères, des anciens, des enfants abandonnés, des infirmes. Comment voulez-vous que je leur dise que maintenant je ne les aide plus? Parce qu'après ce que vous m'avez dit, ce que nous devons faire, c'est protéger l'image de l'Église, protéger mon image à cause d'un commérage. Mon père. Ah oui, maintenant, à cause de ça, je suis obligé de fermer la cantine. Mon père, j'exige que vous respectiez ma décision. Et moi, j'exige de vous que vous respectiez la parole du Seigneur qui dit «
Tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Père Vincent, ma décision est déjà prise. Je vais vous envoyer quelqu'un qui s'occupera de cette cantine. Bon, comme vous l'avez décidé, Votre Excellence. Mais avant, je vous demande, je vous prie, je vous supplie de me rendre un service. Que vous le fassiez le plus vite possible, parce qu'il se trouve que tous ces gens là-bas ont pris la mauvaise habitude de manger tous les jours. Ah, mon Dieu. Donnez-moi la patience. Dis-moi, qu'est-ce que vous êtes secrète? Toi et Daniela, vous vous comprenez parfaitement avec vos petits clins d'œil. C'est pas vrai? Quoi? Tu me réponds pas? J'ai pas droit aux petites œillades. Hein? Mais moi, j'ai vu tout, j'ai tout vu! Allez, sois pas ingrat. Ne joue pas ce petit jeu-là avec moi. Hein? Puisque ce qui nous importe le plus à toutes les deux, à toi et à moi, c'est que Daniela soit heureuse, je me trompe. Allez, un petit clin d'œil. Hein? Je t'ai pas dit que je connaissais le système? Deux petits clins d'œil pour dire oui, et un seul pour dire que non. Pas vrai? Et en plus, je te jure, sur Jésus-Christ notre Seigneur, que je me préoccupe beaucoup du sort de Daniela. Et puis oui, je sais que t'es énervé, parce que j'ai laissé Carmelo t'embarquer, mais... Ah, t'as bien dû réaliser toute seule que c'est l'homme qui convient le mieux à Daniela. En plus, il l'aime très fort, le bougre. Au contraire de l'autre Santiago. Ah. Tu sais quelles sont ses véritables intentions. Sans même parler des manies étranges et mauvaises de ce gosse de riche. Parce que c'est bien connu que les riches, ils ont d'étranges et mauvaises habitudes, non? Et d'ailleurs, personne ne sait le genre de parent dont Santiago est affublé. Santiago est le fils de l'homme qui a tué la mère de Daniela. C'est le fils d'un assassin. Qu'est-ce que tu essayes de me dire? Hein? Quelque chose, pas vrai? Les yeux. Oui, les yeux, non? Qui sait ce qu'il peut faire à la pauvre diable? J'ai besoin d'une confirmation, Sandra. Non, non, je me fiche de ce que tu dois faire. J'ai besoin... J'ai besoin de vous parler. Je te rappelle un peu plus tard. Oui, s'il te plaît. Que signifie tout ceci, hein? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Et qu'est-ce que tu fais, toi, Karina, avec ces gamines? Ne vous en prenez pas à elle! Elle n'a absolument rien à voir avec ça! La dispute, c'est entre vous et moi! Ah oui, sans blague? Et tu te crois forte? Tu veux m'affronter, c'est ça? Oui, je suis forte. Vous en dites quoi? Je viens juste pour que Clive fait quelque chose. Si vous croyez qu'avec vos magouilles, vous allez nous séparer, eh bien vous vous trompez! Figure-toi que celle qui se trompe, c'est toi. Je t'assure, Daniela, que je ne fais absolument rien pour vous séparer tous les deux. Au début, oui, je l'admets. Je m'inquiétais que cette folie de Santiago devienne plus sérieuse. Mais c'est lui qui m'a dit que ce n'était pas le cas. Que ce petit jeu l'ennuyait déjà. Et c'est pour cette raison qu'il est parti à Washington, tu le savais? Pardonne-moi de te l'apprendre aussi crûment. Mais je crois que c'est mieux, n'est-ce pas? Je veux dire, pour que tu ne te fasses pas d'illusions. Je ne me suis jamais fait d'illusions. Santiago m'a juré qu'il m'aimait. Et pas qu'une fois, mais beaucoup, beaucoup de fois. Oui, évidemment, ça ne rate jamais, ça. Et bien sûr, le coup du mariage. Si tu savais combien sont tombés dans le panneau avec cette histoire... Mon Dieu. Vous n'avez pas honte de parler de lui comme d'un salopard? Mais comme on dit souvent, le lion est persuadé que les autres sont comme lui. Je vais te donner un conseil. J'espère que tu l'accepteras. Oublie immédiatement Santiago. J'imagine que, bon, il a obtenu ce qu'il voulait de toi, n'est-ce pas? Et pour ça, tu ne le reverras plus jamais. Mon sang. Je vous jure que si je voulais... Si Karina n'était pas là... Quoi? Je vous... Oui? Quoi? Oh.
Qu'est-ce qu'on fait, mon père? Les gens commencent à arriver? Dis-leur d'avoir la foi que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Ça veut dire qu'on ne va pas leur donner à manger? Attends, Daniela. Tu dois comprendre que Santiago est un homme. Et quand les hommes s'éprennent d'une femme, ils sont véritablement capables de n'importe quoi pour arriver à ce qu'ils veulent. Arrêtez de parler mal de votre fils. Parce que lui, c'est un homme. Et pas un menteur comme vous. Tu as mal, je me trompe? Tu as mal parce que tu sais très bien que je dis la vérité. Attends. Assieds-toi, oui, s'il te plaît. Nous allons parler. Dis-moi une chose. Combien de fois il t'a traîné au lit, hein? Papa, s'il te plaît. Tu me laisses, Karina! Pardon, hein, excuse-moi. Réponds-moi, oui. Combien de fois il t'a traîné dans son lit et en échange de quoi? Tu sais avec qui il vit à Washington? Avec Sandra. Ils sont en train de tout préparer pour annoncer leur fiançailles. Tu le savais? Quel engagement, enfin! Tu n'as aucun engagement avec moi, nous sommes amis, c'est tout, point final. Laisse-moi enfin essayer de te le prouver. Prouve-le-moi en me laissant travailler. Je veux savoir pourquoi on ne m'a pas appelé. Attends. Juste une toute petite minute, comme ça, une toute petite. Je peux rester dans ton appart. Le temps que je reçois mon premier chèque, bien entendu. Non, Sandra, excuse-moi, mais il vaut mieux que tu t'installes dans un hôtel. Et ne t'inquiète pas, je vais le payer. Je n'arrive pas à le croire. Tu me vires comme si j'étais n'importe qui, Santiago. Comprends-le, Sandra, ce n'est pas méchant, c'est juste que je dois le respect à mon épouse. Attends, tu dois le respect... à qui? À son épouse. Donc moi? Vous ne vous attendez pas à ça, n'est-ce pas? Eh oui? Santiago et moi, nous nous sommes mariés avant qu'il ne parte. Ça veut dire que... Sandra et ses prétendues fiançailles, c'est simplement du pipeau. Hein? Qu'est-ce que cette femme fait dans ma maison? Allez, sors d'ici. Je te parle, tu entends? Sors d'ici, Daniela, ou j'appelle la police. Mais enfin, ça suffit, par pitié. Pourquoi tu ne peux pas parler à Daniela sans la menacer? Toi, tais-toi. Écoute-moi bien, ma petite. Santiago a quitté le pays, ne pense pas revenir ici avant très longtemps. Alors va balader ta culture de pouilleuse dans un autre endroit. Tu n'as absolument rien à faire dans cette maison, c'est bien compris? Si vous croyez que je suis venue pour le plaisir, je suis juste venue vous dire que je suis la femme de Santiago. J'en ai ici la preuve. Alors maintenant je vais vous dire où vous nous laissez tranquille. Oh, je vous jure que... Oh, Asio, de quoi est-ce que parle cette petite insolente? Voici la preuve. Santiago et moi, sommes mariés femmes, hein? Lisez-le! Lisez-le pour en être sûr! Bonjour. Pardon, j'arrive au mauvais moment, n'est-ce pas? Si vous voulez, Non. Vous arrivez à point nommé. Ces gens ici ne croient pas que je suis l'épouse de Santiago. Dites-leur. Dites-leur que vous nous avez trouvé un juge. Dites-leur, s'il vous plaît. Gerardo. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, cette demoiselle? Avec cette espèce de sale pauvresse. Oui, c'est pour ça que tu ne peux pas rester dans l'appart d'un homme marié. Santiago, je n'arrive pas à croire ce que j'entends en ce moment. Je te jure, je pensais que notre amitié était beaucoup plus grande que la méfiance que pouvait avoir ta femme.
Quel dommage. Quel dommage que tu ne puisses même pas me voir comme... comme ton ami. Hé, hey, tu vas où? Chercher mes affaires. On a faim, on ne peut pas rester le ventre vide. Père Vincent, qu'est-ce que vous faites? Donnez-nous à manger. On a faim. On a faim. Mais donnez-nous à manger. La cuisine ne peut pas fonctionner. Père Vincent. Elle est fermée. S'il vous plaît, j'ai tellement faim. Donnez-nous à manger. Père Vincent, donnez-nous à manger. Faites place, faites place. Attention les jeunes, je passe, je passe. Allez, allez, poussez-vous. Voilà tout ce que j'attendais. Venez tous. Comment ça, il n'y a pas mangé? Évidemment qu'il y a mangé. Il y a toujours à manger. Il y a toujours à manger. Allez, venez. À manger, à manger pour tout le monde. Allez, asseyez-vous, tous de ce côté. Allez, vite, les assiettes. Passez-moi ça, allez. Que Dieu vous bénisse, mon père. Et toi aussi, qu'il te bénisse, mon cher, mais qu'il me pardonne, moi, de ne pas avoir obéi. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Regardez-moi toute cette tête, il va falloir faire très vite, hein. Allez, très bien, allez, toi aussi, allez, mangez. Vous allez maintenant, vous allez être en forme, plein d'énergie. Allez, mangez, mangez, ça va vous faire du bien. Allez, profitez, les enfants. Le père Vincent est un homme bon, même si parfois il fait des choses un peu étranges pour accomplir le bien. J'espère que vous avez raison, mon père. Mais ce que les gens du quartier disent est bien différent. De quoi est-ce que tu parles? Ils disent que le père Vincent cache des délinquants dans l'église pour qu'ils échappent à la justice. Tiens, voilà. Donne-moi ton assiette, comme ça. Oui, le plat de viande est vraiment très bon. Allez, servez-vous tous. Merci, mon père. Dites, mon père, qu'est-ce qu'on va faire si vos supérieurs se rendent compte qu'on a réouvert la cantine? Parce que c'est eux qui l'ont fermée. Pourvu qu'ils ne se fâchent pas. Chut. Pourquoi? Quelqu'un doit-il nourrir ces pauvres gens? Mais toi, tais-toi donc. Entrez, entrez, entrez. À tous les coups, vous avez faim, n'est-ce pas? Passez par ici, allez. Venez par là. Allez, juste là, déjà. Allez. Allez, montrez-moi vos frimousses. Vous n'avez pas d'eau? Pour vous laver? Asseyez-vous, asseyez-vous. Trouvez une place rapidement. Allez, allez. Je ne veux pas voir une sale tête triste ici. On est tous heureux, hein? Acte de mariage qui engage Santiago Rodriguez Fertaner et Daniela. Pardon, mais... Il se moque de toi, Daniela. De ton acte de mariage. Du fait que tu es naïve. Tu ne t'es pas rendu compte? Tu te rends compte de quoi? Ton acte de mariage est faux. Non, papa. Non, ce n'est pas vrai. Ah, Santiago, Santiago, Santiago. Gerardo a trouvé un faux juge qui a officié un faux mariage. Non. Non, ça, ce n'est pas vrai. Laisse-moi, ce n'est pas vrai. Vous n'auriez pas été capable de faire une saloperie pareille. Gerardo, réponds-lui, s'il te plaît. Écoute, Daniela, tout ce que t'as dit, monsieur Horacio, est vrai. Santiago m'a demandé personnellement de lui organiser un mariage en blanc. Il m'a demandé de lui trouver un faux juge pour que tout ça paraisse réel, mais... Non. Non, Oscar. Mon acte de mariage. Eh bien, c'est un simple papier, Daniela.
un papier quelconque. Il n'a absolument aucune valeur. Oh. Non. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Karina. Laissez-moi un message, s'il vous plaît. Karina, qu'est-ce qui se passe? J'ai passé ma journée à vous attendre sur Internet. Vous n'êtes pas connectée. Je veux savoir s'il y a un problème. S'il te plaît, appelle-moi quand tu pourras. Pardon, Daniela. Je te jure, écoute, je ne fais que suivre les ordres. Non, ce n'est pas vrai. Vous voulez simplement vous moquer de moi. Non, ce n'est pas vrai, Daniela. S'il te plaît, écoute, j'ai simplement fait ce que Santiago m'a demandé. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à prendre l'acte. Et emmène-le à un notaire public si tu veux. Si... ou à qui tu veux, pour qu'il te prouve que c'est un faux document. Je connais Santiago mieux que vous tous. Et je sais que c'est un homme bon. C'est un homme décent, oui, décent, pas comme vous autres, bande de pauvres hypocrites. Écoute-moi bien, pauvre insolent. Tu ne vas pas venir dans ma maison pour nous insulter. Sors d'ici. Sors d'ici. Mais vous n'avez pas honte. Vous allez laisser parler ainsi de votre fils. Que votre mari et ce monsieur disent les pires choses, disent ces horreurs sur son compte. Vous vous rappelez quelquefois que c'est votre non. fils. Je ne vais certainement pas le défendre parce que j'ai encore plus honte à l'idée qu'il puisse être auprès d'une sale teigne morte de faim comme toi. Sors d'ici. Sors de ma maison si tu ne veux pas qu'on t'en chasse à coups de pied. Sors d'ici. Laisse-la. Allons-y, Daniela. On y va, Daniela. Allons-y. On y va. Je sais pas comment vous osez exposer la Vierge dans cette maison, hein.